Salut fidèles abonnés, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous servir à travers les différentes vidéos. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte toujours à merveille, surtout quand je me trouve en pleine nature avec ces bébés comme ça qui sont là à votre disposition, ces bébés qui sont là pour vous permettre comme ça d'accroître vos productions, parce qu'au quotidien nous travaillons pour mettre à votre disposition des plants de qualité et en quantité. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de vous faire part de notre pépinière où nous trouvons. Ici, il y a vraiment une diversification des plants. Alors, à travers cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la pépinière de façon générale. Nombreux sont ceux au quotidien qui prononcent toujours ce mot pépinière, pépinière, mais c'est quoi exactement la pépinière? La pépinière, ce n'est pas un plant. La pépinière, c'est tout simplement de façon générale un endroit aménagé pour mettre sur pied les plants que nous allons élever afin de les transplanter dans les plans futurs pour une éducation pérenne. Alors ici nous sommes dans une pépinière, il faut savoir comprendre qu'il existe plusieurs types de pépinières. On a des pépinières d'ordre général, des pépinières d'ordre mixte, des pépinières d'ordre privé et des pépinières d'ordre commercial. Alors ici nous trouvons déjà dans une pépinière d'ordre général. Donc, je vais vous entretenir juste ce que c'est qu'une pépinière d'ordre général. Une pépinière d'ordre général, c'est tout simplement une pépinière dans laquelle on trouve divers types de plants. On peut trouver des plants de manguier, d'avocatier, de corossolier, de bitacola et bien d'autres. Alors, ici nous sommes dans une pépinière, nous avons des plants qu'on pourrait observer, des plants greffés. On voit en image. Nous avons fait des greffages. Là, c'est le griffon. Et là, on a des porte-greffes. Et tout. Donc, si c'est vraiment notre milieu, c'est où nous passons du temps pour, comme ça, comme je disais tantôt, mettre à votre disposition des plants de qualité. Ici, nous avons des plants de manguier. Si nous avançons un peu plus,